bonjour. Alors, je pense que vous êtes un certain nombre à vous demander au fond qu'est-ce que fait Schneider Electric. Alors, on a coutume de dire en plaisantant qu'on n'est pas un fabricant d'ascenseurs, parce que très souvent, on nous assimile à un fabricant d'ascenseurs ou à d'autres métiers, mais je prenais cet exemple-là parmi d'autres. En fait, le métier de Schneider, c'est d'être un des leaders de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Schneider Electric a pour vocation d'amener énormément de valeur sur toute la chaîne qui va depuis la production d'énergie, principalement de sources électriques, jusqu'au point d'usage au plus près du consommateur. Ce consommateur pouvant être vous et moi, c'est-à-dire un particulier, ou bien un acteur dans le domaine des régies d'électricité, un acteur industriel, un acteur du bâtiment tertiaire. C'est faire en sorte que l'ensemble des utilisateurs puissent maximiser l'utilisation de leur énergie, d'avoir une énergie plus sûre, plus fiable, moins gourmande, et de faire en sorte que ce consommateur va avoir un meilleur usage de l'énergie ou va carrément consommer moins d'énergie ou consommer une énergie à moindre coût. Et aujourd'hui, cette gestion-là, elle est de plus en plus numérique et dans un avenir très très proche, elle sera probablement 100% digitale, cette gestion de l'énergie. Schneider Electric, aujourd'hui, même si nous avons un rayonnement qui est très international, parce qu'une très grande partie de notre chiffre d'affaires est réalisée à l'international, nous restons pour autant une société française listée sur la bourse au CAC 40 à Paris, mais nous sommes reconnus comme étant une des quelques dernières grandes entreprises dans le domaine du high-tech en France.